Je suis maudite. Toute ma vie, je galère à faire un truc. C'est comme ça. Bon, c'est de l'autre côté, les filles. Comme ça. C'est comme ça. Ça rend pas du tout comme sur la photo. Ah non, mon teuf, c'est carrément. Ah, je suis en train de me défoncer les cheveux. Grosse erreur. On serait de ce côté? Non, c'est pas possible. Je crois que j'avais mis du bon côté. Hein. Comme ça. Je sais pas, ça va se fouler. Je suis le genre de fille qui achète plein de trucs comme ça et qu'au final, je ne l'utilise pas. Vous savez ? Bon, je vais. Ça m'a saoulé. Bref, ça. Ensuite, ça, petit masque, je vais le faire là, peut-être ce soir. Là, j'ai pris ça dans la boutique normale, une petite tablette comme ça. Les couleurs ont l'air grave jolies. J'aimais bien. À chaque fois, je galère à ouvrir mes ongles. Sont grave belles les couleurs. Même trop. Ça va demain quand je me mets. Ensuite, donc ça pouvait. Ensuite, j'ai pris ça chez Sephora. J'en avais plus. C'est pour se démaquiller. Il y en a plein. Et il y a même la pochette pour les laver après. Tu vois, on met dedans. On les lave. Trop bien. Ça. Je vais faire comme ça. Ça, je vais en garder un. Là, chez Sephora, je vais vous montrer. C'est le numéro 7. Je mange. Ensuite, chez Normal, j'ai pris un. Donc, c'est un spray comme ça pour faire les boucles, apparemment. J'essaierai demain ou quoi. Ensuite, on baisse des maquillants.
voilà. Regardez, j'ai bientôt fini ça. C'est pour ça que j'en ai racheté un. C'est meilleur. Ça et après j'enlève avec ça, c'est trop bien. Crayon à lèvres que je mets d'habitude, hop, et un, je sais pas, que je l'essayerai demain, c'est le mascara Sephora, il y a marqué Big Définition. Je me souviens de leurs étiquettes. Bon, apparemment, le pour la serviette pour sécher les cheveux, je l'ai mis à l'envers. Vous m'avez tout envoyé des messages, les filles, mais moi aussi j'aurais trop kiffé. Et dites-vous que, vu que ma mère elle m'a pas fait ça, elle s'y prête grave au jeu. C'est elle qui m'a proposé le thème automne. Donc franchement, je fais ce que je veux. Bon, sinon, j'ai ce soir, c'est l'homme le plus heureux. Non, pas parce qu'il est avec moi. Mais pourquoi? Si, parce que je suis avec toi. Moi aussi. Parce qu'on est les premiers. Mais du championnat de France. Nice a gagné. Nice a gagné. Du coup, c'est un homme hyper content. Pour une fois, je sens que demain je vais sortir les tétines d'Alia au GC Nice pour lui faire plaisir. Tu veux ça? Je mets au GC Nice avec un bavard OM. On a battu Paris, on a battu Monaco. Le prochain c'est l'OM. Ouais. Non mais bravo. Tu vois, moi contrairement à toi, je suis contente quand t'es content. Parce que toi, quand Marseille gagne, t'es pas trop content. Mais t'es pas marseillaise. C'est. Voilà. On regarde le reportage d'Adjou, la fin. On a commencé à regarder le reportage de d'Adjou sur Canal+. Franchement, il est trop, trop bien. Hein, chérie? Tout est bien. Il est bien. Donc là, on va regarder la fin parce que ça fait 4 jours, on le regarde. On met des stops. Oui, Ali adore. Au fait, on a choisi un thème et ça va être le thème automne. Donc, pour Alia, j'ai choisi un déguisement champignon. Pour G, un déguisement arbre. Et moi, je vais être en feuille. J'imagine G en chêne. Vas-y, s'il te plaît, chérie. Et moi, je suis la feuille du chêne. Et Alia, le petit champignon. Ah non, Alia, on l'habite, c'est le chêne, c'est quoi? C'est les glands? On se trouve bien. Bonjour. Bonjour. Maman. Maman. Dis maman ce matin. Voilà, c'est ça qui m'a réveillée. Maman. 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 Dis-le. Maman. Maman.